Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Anthony, comment ça va? Ça va super bien, Christophe, toi? Ça va super bien, ça va super bien. Écoute, un beau sujet aujourd'hui. On parle de quelque chose qui nous passionne tous les deux. Ouais, en effet, on est sérieux la semaine, mais la fin de semaine, on aime prendre un petit verre, n'est-ce pas? Exactement, fait qu'on parle justement de bière. Aujourd'hui, on a Jean-Philippe Bellil qui vient nous parler de leur brasserie, de leur micro-brasserie, les brasseries Beta, qui a commencé tout récemment. C'est une toute nouvelle entreprise. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat puis d'industrie qui nous intéresse, je pense que Jean-Philippe était exactement la personne qu'il nous fallait. Je pense que c'est un entrepreneur en série, en fait. Oui, exactement. Donc, vous allez découvrir un peu dans le podcast. Je pense qu'il en parle un petit peu, mais il y a plusieurs entreprises que lui a parties. Puis de la façon aussi qu'il s'y prend pour avec la brasserie Beta, c'est super intéressant. Donc, je pense qu'on va... Vous allez apprendre beaucoup, puis écoute, c'est un sujet qui est toujours le fun à discuter là, et à déguster. Nous, un jour, on avait un rêve de partir de microbrasserie, n'est-ce pas? Oui, exactement, mais écoute, on a parti un podcast à la place. Donc, écoute, Anthony, sans plus tarder... On part ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de te joindre à nous pour ce podcast. C'est un podcast que je pense qu'on en a parlé un peu en intro, mais un sujet qui nous intéresse beaucoup, 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 là, étant donné du fait que moi et Anthony, on a baigné soit quelque peu là, dans la brasserie artisanale là, à la maison, faire nos propres bières. Puis l'entrepreneuriat, fait que si tu mets les deux ensemble, ça donne toi. fait qu'on est super, super content là, de t'avoir. Mais peut-être présente-toi à nos auditeurs de qui tu es, qu'est-ce qu'est la brasserie Beta. Excellent. Merci de l'invitation. C'est toujours pour moi, c'est un premier podcast. Là, donc, c'est intéressant de voir le concept. Essentiellement, de mon côté, moi, j'ai un background. Si on va très, très loin, là, en fait, ma famille est dans les fraises Bellil, en fait. Fait j'ai été dans l'alimentaire peut-être une dizaine d'années. Je suis pas vieux, fait que j'ai commencé jeune, chauffer des tracteurs puis être dans le champ. Donc, l'alimentaire avec les épiceries aussi, hein, Métro, Provigo, IGA, des choses que j'ai vues, j'ai même livré des fraises. Donc, j'ai vu un peu le concept épicerie. Par la suite, moi, j'ai fait un petit parcours là, chez Labatt dans la bière, un 8 mois à peu près, là, dépendant, ville de Laval. Fait que j'ai vu un peu le côté commercial en arrière de ça. T'étais dans la distribution? Oui, la vente. OK, la vente. OK, ouais. Parfait. T'avais deux postes, là, marchandiseur puis représentant. Ouais. J'étais en marchandiseur slash représentant quand il était en vacances ou autre. Ouais. Donc, fait que j'ai vu plus le côté commercial. Donc, puis j'ai vu aussi dans le portefeuille de la batte, c'était large, 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 puis il y avait beaucoup d'importés. Hein. Fait que ça, c'était intéressant de voir, OK, la bière est venue d'où, elle fait quoi, puis c'est quoi sa renommée, pourquoi la batte distribue ça, tu sais. Puis pendant que j'étais là, ils venaient d'acheter Corona, fait que tu sais, ça bouge la bière, hein. Il y a des mouvements intéressants. Après ça, moi, j'ai pas aimé la structure là, d'une multinationale, en fait, c'était ici à Ville-la-Salle. C'était complexe un peu, grandir, comprendre les non-dits, la politique. Fait que moi, je suis parti dans le domaine financier, carrément. OK. Domaine financier, fait que je suis là-dedans depuis 8 ans. Puis le projet des brasseries Beta, c'est un projet d'investissement, dans le fond, que nous, on a fait par la suite. On a créé, à la base, on a créé une compagnie de finance, de comptable puis de marketing. OK. Fait que là, on s'est dit, ben peut-être qu'on serait capable de créer un client. On va se créer un client, on va faire nos tests, on va faire un petit peu notre savoir-faire à travers nos investissements. Fait qu'on a fait Brasserie Beta. Puis ça l'a permis aussi à ma femme, elle était infirmière. Donc okay. C'est Roxane, ma femme qui dirige la division bière. Fait qu'elle, en fait, est partie d'infirmière à la direction des Brasseries Beta. Puis elle a commencé tout en avril cette année.
Cool. OK. Ouais. Fait que la brasserie Beta est en action, puis les bières sont en vente maintenant? Oui, oui. En fait, c'est un projet qui a commencé septembre l'année passée. Là, fait qu'on a un an entre le projet papier, la réalité, l'incorporation, puis comment ça fonctionne. On est exactement un an là, présentement. Puis, fait que là, c'est toi puis ta femme qui s'occupe de ça ou t'as d'autres partenaires là-dedans? Dans mes autres entreprises, j'ai moi et Jasmin Labrie, dans le fond, les deux associés, là, 50-50 partout. Puis là, ce qu'on a fait avec les brasseries Beta, c'est qu'on est parti avec lui, son conjoint, puis moi et ma femme. Fait qu'on est quatre actionnaires, des brasseries Beta. Fait que c'est un genre de projet familial. Puis est-ce que vous avez des employés? Oui, dans le fond, là, on a une employée à temps plein. Moi, je prête une de mes adjointes aussi à l'entreprise. Et on a, je te dirais, une liste de 10-12 personnes qui sont, on va appeler ça des ambassadeurs, qui vont aller faire les dégustations dans les magasins. Donc, on est rendu là. OK. Cool, cool. Puis d'où l'idée de pourquoi ouvrir une brasserie? D'où vient la passion de la bière? Ben, je pense que c'est moi qui ai la passion de la bière. Donc, j'adore la bière. Puis à la base, on avait une idée d'investir dans quelque chose qui était brassicole. Là. C'était-tu okay. un magasin de boutique spécialisé? C'était-tu une bière? C'était-tu une microbrasserie? Ça a donné comme ça. Puis on a fait un petit mix, hein, les brasseries Beta, comment ça fonctionne? C'est qu'ils sont brassés par un brasseur. Qui a déjà de l'expérience, qui a déjà en fait des cuves, ces choses-là. Fait qu'on, c'est comme si on fait sous-traiter un petit peu la brasse. Mm-hmm. Ouais. Puis vous, vous occupez du côté commercialisation-vente. Exact. Non, nous, on a fait. C'est nous qui a eu l'idée de la sorte de bière, hein, parce qu'il faut que tu la choisisses. La recette a été faite par notre brasseur. Puis on a fait tout le branding en arrière de ça. Puis on s'occupe de la vente, effectivement. Puis quel type de bière vous vendez en ce moment? Là, on a quatre sortes. Hein. On a la Beta Blanche, qui est une wheat beer traditionnel, inspiré un petit peu de la Hoegaarden ou des choses comme ça. D'ailleurs, Hoegaarden, je la poussais chez Labatt. Okay. C'est moi qui la poussais. Tu voyais qu'il y avait bien de la demande pour ça. Il y avait de la, ben, c'est rare que tu vois de la blanche être en skew, là, 12 canettes, ouais. 12 bouteilles, puis même des fois des 24 bouteilles. Fait qu'il y a un marché clairement pour une blanche. Puis de plus en plus aussi dans les pubs, dans les restos, puis tu sais, à Cajot Sport, t'as une Hoegaarden pas mal partout là, à cette heure. Fait que ça, c'est notre première. Après ça, on a la Beta Blonde, qui est dans le fond une Pilsner, qui est un petit peu inspirée de la Carlsberg. Fait qu'au lieu d'être, au lieu d'avoir de l'amertume comme la Stella Artois, que je poussais d'ailleurs dans le passé, elle a moins d'amertume, donc plus douce. C'est ça qu'on a fait pour... Puis elle se démarque aussi. Souvent, les blondes québécoises vont être un petit peu goûteuses. Ils vont mettre un petit peu plus d'houblon, un peu plus de goût. Nous autres, c'est l'inverse. On voulait aller dans une bière qui se prend l'été. Tu peux en prendre une, deux, trois. T'as pas mal au ventre nécessairement parce que t'es plein. Ouais. C'est un petit peu le concept. Puis il y avait la Beta Rousse qui est inspirée de la Basse en Angleterre, qui est une rousse, une perlelle rousse. Écoute, honnêtement, elle est légère, caramélisée, parfaite comme on l'a fait là. C'est un petit peu le concept. D'ailleurs, la Basse est distribuée par la Basse. OK. Fait que c'est tout des. On voit le thème. Là, tu regardais. Il y a des inspirations. Tes bières préférées que tu aimais. Puis que là, tu te dis, OK, je vais les recréer, mais à notre façon. Fait que c'est. De ce que je comprends, c'est. Il y en a qu'une. Ah oui, c'est vrai. Une IPA ou une Nord. Une IPA, probablement. Non, c'est une Stout. C'est une Stout. On a été audacieux dans la Stout. Donc, une Stout à l'avoine. Encore là, une bière qui veut un petit peu se rapprocher de la Guinness, dans le sens qu'elle n'est pas forte en alcool, à 5%, elle se boit bien, puis on n'a pas rajouté de café, on n'a rien fait, c'est vraiment une recette traditionnelle écossaise, dans le fond. Puis avec l'avoine qui donne un genre de texture là, à la bière, qui est comme crémeux. Là. Un petit peu, pas trop, mais un petit peu, ouais, cool. Exact. Fait que vous avez composé les recettes, là, vous les faites faire par un brasseur. Oui, c'est lui qui a écrit la recette. Aussi. Okay. Elle nous appartient, mais c'est lui qui a écrit quand c'est même. C'est une recette unique. Là. Il n'y a pas personne d'autre. Cette bière-là, il y a juste Beta qui la vend. C'est nous autres, exact. Et quelle quantité est-ce qu'il produit ou vous produisez? Ben, au début, on avait fait une projection. T'sais, on avait dit, OK, combien on est capable de faire, tout ça. Mais la discussion que j'avais avec notre brasseur actuel, c'était... moi, j'arrêtais un chiffre. Hein, on arrêtait tout un chiffre à mener. Puis c'était... Lui, il était capable de nous offrir 1 million de litres. Puis dans les microbrasseries, là, si on fait 1 million de litres, on serait dans les top 10, top 15 au Québec. OK. Fait qu'il y a du potentiel. Là. Puis ça, c'est 1 million de litres par année. Année. Ouais.
Donc, ces équipements vous appartiennent ou... Non. Lui, c'est comme un sous-traitant. C'est ça. Exact. Les équipements sont à vous. Puis, exact. Fait que c'est puis... un des modèles. Je sais que dans... tantôt, on va discuter un petit peu plan financier, les affaires-là. Ben, ouais. C'est un des modèles qui nous a aidé à partir vite avec des recettes de qualité tout de suite. Et non, commencer à faire des essais et tout ça. Puis, t'en as peut-être pour un an là, à avoir un portefeuille de bière. Là. Parce que t'as quelqu'un qui connaît ça, qui a déjà des bases. Puis que... Exact. OK, parfait. Puis, ben, c'est ça, tu l'as dit qu'on allait parler un peu du modèle financier, mais avant même dans votre plan d'affaires, qu'est-ce qui était le... c'est quoi les démarches pour ouvrir une microbrasserie? Est-ce que n'importe qui peut le faire? Est-ce que tu peux demain matin aller demander de faire ça? Est-ce qu'il y a des permis? Comment ça fonctionne? Ben, j'ai eu pas mal de conversations avec M. Fred de la régie des alcools. Ouais. Donc, tout le monde le connaît au Québec. C'est un monsieur qui aimait ou pas des permis. Donc, okay. c'est le gars à connaître. Mais super sympathique. Il m'a vraiment aligné. T'sais, en fait, t'as vraiment un permis de brasseur artisanal, OK, qui a un certain volume de litres. T'as le permis de brasseur qui, parce que tu dépasses le seuil de brasserie artisanale. Donc, t'es rendu un permis de brasseur. Puis, à l'intérieur de ça, t'as un permis qui appelle agent. Agent au nom du brasseur ou agent d'entrepôt, dépendamment comment tu okay. lis le document. Puis ces gens-là, c'est comme des livreurs. Là. Fait qu'un livreur pourrait dire, moi, je pars un permis d'agent, puis je vais livrer une microbrasserie. OK. Ouais. Fait qu'il travaille un peu au nom du brasseur, mais il y a comme un commerce à faire là-dedans. Il peut faire de l'argent sur la livraison, peut faire de l'argent sur une commission de vente, peut faire différentes choses, mais ça reste que son permis est lié à un brasseur. Okay. Fait que honnêtement, le permis de brasseur, c'est vraiment comme le... C'est ce que vous avez, le permis de brasseur? On utilise le permis de notre brasseur. OK, parfait. Exact. Fait que toi, dans le fond, t'avais pas nécessairement besoin d'aller en chercher un parce que j'ai essayé, sous-traitant... mais quand j'ai compris un peu la game, finalement, on n'avait pas de besoin. Okay. On utilise, dans le fond, le permis du brasseur actuel, qui est d'ailleurs, c'est le permis le plus étendu qu'il n'y a pas là. Parce que ça te permet de vendre en épicerie, dans les bars, directement à la brasserie. C'est ça, exact. Fait que là, t'as trois volets. Là, t'as dépanneur, ouais. T'as les épiceries, puis les restos bars, slash bars. Fait que c'est les trois personnes que tu peux vendre, puis tu pourrais vendre aux particuliers à la brasserie. Puis là, il y a toutes sortes de zones grises. Là, c'est-tu consommation personnelle, si, ça, pas clair. OK. Donc, mais dans l'événementiel, moi, c'est drôle parce que j'avais vécu ça dans le temps chez Labatt. L'événementiel, c'est les gens font des permis de réunion. Ouais. Fait qu'exemple, je fais un party ou je fais un camping ou peu importe, j'ai un permis de réunion, OK, avec une date fixe. Puis ces gens-là n'ont pas le choix de prendre la bière dans un dépanneur, une épicerie. OK? Sinon, ils pourraient peut-être dans la brasserie artisanale. Puis ça, c'est comme fondation seulement, là. OK. Il faut qu'il y ait un don de fondation. C'est bizarre. Fait que il faut qu'il y ait un dépanneur impliqué dans une transaction événementiel en tout temps. Fait que je me souviens que dans le temps, là, toutes les universités chez Labatt, c'était un certain dépanneur qui le faisait, puis il y avait de la bière partout dans le dépanneur. Okay. C'était même bizarre, là, mais c'était ça. Fait qu'il y a tout le temps, il y a comme vraiment un power. Les dépanneurs puis les épiceries ont comme un droit acquis de distribuer. Okay. Fait que la brasserie ne peut pas s'en passer par ces gens-là. Fait que c'est intéressant pour eux, ça crée des opportunités. Là. Puis quand vous êtes lancé, tu sais, parce qu'on s'entend, il y en a beaucoup de microbrasseries au Québec. 300, je pense. Ouais. Fait que c'est pas l'offre qui manque, mais c'était quoi votre idée de dire comme, ah ben, nous, y a-tu un angle que vous voyez qui était comme mal servi ou c'est comme, on se lance, peu importe, on va être une des 300, c'est pas grave. Mais... Tant que j'ai un 300e du marché, je suis correct. Chaque fois que tu pars en affaires, t'es un peu nono, là. Ouais. C'est voulu, faut que tu sois un peu naïf. Dans ce que tu t'embarques. Mais non, il y avait un angle très précis. Nous autres, on a un marché corpo là, par le biais de nos autres entreprises. Fait qu'on voulait des bières classiques qui seraient plus orientées vers le produit de luxe. Donc, okay. Même à la base, on avait un projet qui n'a jamais vu le jour parce que on le présentait à SOQ puis on peut embarquer. Mais on voulait faire des belles bouteilles. On s'est inspiré d'une microbrasserie en Italie. Ils ont fait ça dans des bouteilles de whisky, puis ils vendent ça comme 25$ la bouteille. Là.
Okay. Produits de luxe, de qualité, puis ils annexent ça à des affaires de Formule 1 aussi, ça pour l'image de Mais marque. De la bière toujours. Toujours de la bière. OK. Exact. Fait qu'il y en a qui sont intelligents avec la bière, ils amènent ça dans d'autres niveaux. Fait que nous, on voulait. Bon, ça n'a pas fonctionné. Finalement, on est allé en canette. Je pourrais en parler si ça vous intéresse, mais les canettes, tout le monde est rendu là parce que c'est comme ça, là, c'est la loi. Puis. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est la loi? Bonne question. Parce que, quoi, on n'a plus le droit de faire des bouteilles? C'est que le problème, c'est vraiment la loi du recyclage. Mm-hmm. C'est que si tu vends de la bouteille, il faut que tu prouves que tu es capable de récupérer toi-même, donc alias le brasseur, 60% de tes bouteilles. Que tu vends partout? Que tu vends partout. Fait que comment tu vas à Québec chercher des bouteilles? Ouais. Ça marche pas, là, tu sais. Fait que là, il commençait à avoir un problème avec ça, là. Fait que si tu vends localement, ben là, tu pourrais prendre ton troc, tu vas voir tes 10 IGA, tu reviens, mais, tu sais, une microbrasserie va peut-être avoir 400, 500 points de vente. Ça fait plus de sens, là. Fait que toutes les bouteilles sont en train de partir. C'est tout rendu canette, parce que là, n'importe qui peut le mettre dans son bac. Mais tu vois, toutes les microbrasseries sont dans les canettes. Oui, c'est ça. Oui, exact. Non, j'avais remarqué aussi. Exact. Mais tu vois, bouteilles, tu vas en voir peut-être à la brasserie. Plus facile à contrôler ton recyclage aussi. Ouais. Mais c'est canette. C'est vraiment un monde de canettes. Puis c'est drôle parce que j'ai discuté un petit peu avec des gens en Europe, puis en France, c'est cheap, là, la canette. C'est vu, perçu comme... La bière cheap. Cheap, genre, exact. Ici, là, c'est... Fait que si quelqu'un voudrait faire un projet en France, ben là, faudrait que tu adaptes tout de suite ta bouteille pour l'Europe parce que là, tu passerais pour un cheap, là, tu sais. Intéressant. Ouais. Non, cool. Fait que, mais continue, là, dans c'était quoi l'angle que tu voulais... Fait que produit classique, produit de un petit peu plus vers le luxe ou le corpo, peut-être, on produit ça comme ça. Donc, puis ça nous a permis, tu vois, là, on est rendu fournisseur de l'Association des grands hôtels de Montréal. OK. Donc, encore là, hôtels, grands hôtels, on veut positionner le produit à bonne place. Puis quand les gens se font servir, est-ce qu'il y a un logo, est-ce qu'ils ont un verre, est-ce que, ou ils ont juste la canette? C'est en cours, là. C'est ça qu'on est là-dedans pour voir comment qu'on va adapter le produit. Puis dans le monde de la bière, tu as toujours des contrats. Fait que tu peux pas rentrer une ligne de fût où ce que tu veux. Souvent, elle est prise, la ligne de fût, par un grand joueur. Fait que, OK, je peux te rentrer, mais en canette seulement. Parfait. Là, il va falloir penser, OK, la canette, mais là, je vais peut-être te passer des verres pour que tu le sers dans un verre, parce que là, la canette, il n'y verra jamais. Mm-hmm. Ouais, il n'y aura pas ça. Le brand non plus. Fait que là, c'est à travailler. Là. Okay. C'est tout votre challenge qui s'en vient devant vous. Puis, quel était, c'est quoi vos... qu'est-ce que vous anticipez comme part de marché? C'était quoi votre target de dire comme, OK, là, si on est capable de vendre tant de litres, là, on devient rentable? Ou, tu sais, est-ce qu'on est rentable dès la première bouteille vu que c'est un sous-traitant? Tu sais, comment ça fonctionne? Ouais, mais je voulais faire un petit pouce tantôt sur pourquoi, tu sais, pourquoi qu'on a fait ça. Il y avait aussi, on a remarqué aussi deux choses. Souvent, des consommateurs nous disaient, puis moi, j'étais un premier, là, c'est compliqué de trouver une bière dans un mur de microbrasserie. Fait que souvent, nous, ce qu'on a fait, on les a appelés bêta blanche. Je vais pas te tromper, c'est une bière blanche. La canette est blanche. On a fait on a utilisé deux volets marketing pour dire, ben mon œil va savoir que la rousse est rouge, la stout est noire et la blonde est comme beige. Fait qu'on voulait juste simplifier un peu le concept de la pastille là, à SAQ pour le vin. OK, là, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas comme consommateur. Puis on voulait avoir du volume. Souvent, puis cet été, on était le commanditaire de l'Alliance Montréal, ici à Verdun, pour le basketball. Ben c'est tout bien 200 caisses en deux mois qui est parti, là. Ouais. Parce que c'est 3000 personnes qui viennent prendre de la bière pendant, tu sais, 20 games, 10 games, je pense. Fait que c'est pas tous les micros qui sont capables de fournir. Fait qu'il y avait ces deux enjeux-là. Fait que, tu sais, positionner un produit qui est facile à reconnaître, puis s'assurer qu'on a un volume, puis comme tout le monde, là, on a eu des problèmes d'approvisionnement de canettes, on a eu des problèmes de brasse, des fois des délais de brasse, des vacances non planifiées. Fait que là, ta brasse, finalement, est 3 semaines plus tard, là, tu sais. Ouais. Fait que malgré les installations quand même professionnelles là, qu'on avait avec notre brasseur, que tu stockes. Fait que... Qu'est-ce qui était votre but? C'est quoi le but pour vous? À quel point est-ce que ça devenait un projet qui était rentable? C'est-tu un petit projet passion? Est-ce que tu dis, mais moi, je veux avoir ma bière, peu importe? Ou est-ce que c'était comme, OK, non, faut qu'on fasse tant de volume ou tant de... C'est quoi les... À date, mon target, c'est 1 million de litres.
1 million de litres. C'est vraiment ça. Fait que 1 million de litres là, pour des chiffres, là, mettons, on parle de chiffres, ça peut être entre 5 et 6 millions de chiffre d'affaires. Là. Ouais. Donc, c'est pas rien pour une petite PME du Québec. Non, là, fait que c'est pas un petit projet, c'est vraiment un gros projet. Est-ce qu'on est capable de faire 1 million au Québec? Ça, ça va être la question qu'on va se poser éventuellement. On va faire le Québec. Est-ce que je suis mieux d'aller en Ontario? Je suis mieux d'aller aux États-Unis? Je suis mieux d'aller en Europe? Ouais. Who knows, là? On ne sait pas, là, tu sais. OK, mais donc, non, c'est des beaux challenges. Ouais. Puis comment est-ce que ça fonctionne par rapport à vos marges? Est-ce que, vu que c'est pas votre opération, vous avez un sous-traitant qui le fait, comment ça fonctionne avec les marges? Est-ce que tu as des meilleures marges que si tu le faisais toi-même ou... Ça serait étonnant. Ouais. D'après moi, on perd dans toute chaîne là, économique. Là, dès que tu as un sous-traitant, tu vas perdre un profit parce que là, lui, il prend un risque, mais il prend un profit aussi. Tu sais, ça va avec ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ça va prendre cette équipe-là dans ce projet-là pour que ça fonctionne là, à long terme. Ouais. Okay, mais... Fait que, mais on est capable d'être opérationnel. On est dans une marge de distributeur. Là, okay. Fait que quelqu'un qui achèterait de la machinerie qui la revend, ben, ouais. Là, on est un peu dans le même principe. On achète de la bière, on la revend. Puis il y a un markup qui est intéressant. Puis notre prix n'est pas. Je pense qu'on est à peu près dans les moyens. Si tu regardes, okay. T'as des. Mettons qu'on prend une blanche, là, la bêta blanche, elle se détaille 4,79 en épicerie et dans les petites frettes. Fait que, il y en a à 5, il y en a 5,25, il y en a à 6, mais il y en a aussi. Il y en a là, à 12,13 aussi. Là. Il y en a à 12,13. Ça, c'est ouais. Probablement dans les ouais. Spécialités où tu as des plus gros ouais. Volumes, là, les bouteilles. Ouais, ouais. Mais tu as aussi des grandes micros là, qui sont plus à 4. Là. Fait qu'il y a, okay. Y a de la place pour descendre. Là. Puis il y a encore de la place. Les gens sont ouverts à aller chercher un autre microbrasserie, d'aller chercher. J'imagine qu'il faut que tu sois. Vous avez l'air d'être assez imaginatif là, dans vos volets de distribution. Là. Mm-hmm. Tu parlais justement du. C'est la Ligue de basketball. Ouais, Alliance Montréal. Ouais, exact. Alors, donc, comment tu fais pour trouver tout ça? Dans le sens. Ben, Alliance Montréal, moi, j'ai suivi sur LinkedIn. Okay. Puis j'ai approché directement. Ah, okay. Puis ils m'ont passé l'équipe de commanditaires. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Fait que c'est vraiment ce que tu disais, l'approche corpo, d'y aller plus, de faire du B2B que d'aller justement te démarquer en épicerie. Par exemple. Oui, bien là, c'est le défi des épiceries, là, parce qu'on sent que c'est un on dompe de la bière là-bas, puis il n'y a pas de conseiller, il n'y a personne ouais. Qui t'aide. Ouais. Fait que qui va sortir du lot, ça va être difficile. Fait que là, le défi, c'est que si la personne elle rentre en épicerie, il faut qu'elle vienne chercher de la bêta. Ouais. Sinon, ben ils n'achèteront jamais de la bêta, là, ou ben ce serait rare qu'ils tombent dessus. Là. Ouais. Fait que ça, ça va être l'enjeu. T'es juste une parmi tant d'autres. Exact, là. Exact. Fait que c'est l'enjeu. Il y en a tellement, là, pour moi, le faire moi-même, des fois j'arrive et je suis comme, OK. Exact. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Au moins, il y a des bons côtés, comme justement, tu parlais des petites frettes qui sont ouvertes. Ça, c'est bon, sont organisées par quel genre de bière que c'est. Là. Ça nous aide beaucoup. Mais même là, tu cherches une blanche, il y en a 50 blanches. Là, fait que, je sais pas, les blanches, regarde-moi, je sais pas combien il y en a, mais dans les micro brasseries. Mais tu sais, il y en a tellement là, des canettes. Fait que, mais tu vas voir que cool, souvent, sont pas toutes bonnes. Fait que, tu vas peut-être les essayer au complet. Là. Un an, on a dû faire peut-être 50 blanches. Facile, là, j'en ai goûté peut-être 200 là, des blanches. Ouais. Fait qu'un moment donné, tu sais exactement, OK, ce type de bière-là, je l'aime pas, je la prendrai plus. Là. Celle-là, je l'aime, parfait, je la recommande. Ouais. Puis idéalement, si tu apprends à l'épicerie, ben, même l'épicerie, je dirais que c'est le dernier modèle. C'est-à-dire que si je la vois à mon hôtel ou si je la vois à mon restaurant, puis je vois une pub d'exemple bêta, ben là, je vais peut-être finir en épicerie par aller en acheter une. Ouais. Fait que c'est comme le « faut que tu sois là, mais faut que tu sois… » C'est peut-être faut le… Faut que tu l'aies vu avant. Ouais, exact. C'est sûr que tu rentres puis tu sais qu'est-ce que t'achètes, là. Ah. Fait que c'est ça le but du corpo aussi, c'est que des fois les gens, si on fait un événement privé, là ça devient des ambassadeurs là, ces gens-là, parce qu'ils ont vécu une expérience, ils la connaissent, puis ils ont vu les propriétaires. Fait que souvent il y a un sentiment d'appartenance, fait qu'ils vont rentrer au IGA, ils vont dire « Hey, je connais le propriétaire de Beta là, tu sais. » Cool. Puis fait que dans le fond, quand que tu parles comme ça, là tu te compares contre d'autres microbrasseries, mais est-ce que tu compétitions contre, admettons, la BAT qui ont leur propre version, tu sais, la O Garden ou la. Pour l'instant, non, parce qu'on est vraiment dans la 473, le format de canette micro. Fait qu'on est vraiment dans le marché des micros.
Fait que, tu sais, j'ai regardé ma bêta blonde, là, qui pourrait éventuellement peut-être compétitionner une Bud, une Molson ou whatever, ouais. Mais, tu sais, c'est moitié prix. C'est moitié prix en partant. Mais, puis là, on pourrait dire, OK, mais c'est fait artisanal, tu sais, au Québec, tout ça. Ben, Ville-la-Salle, il y a en fond de la Budweiser, là. Que, ouais, c'est ça. C'est du monde qui travaille ici au Québec, là. Puis même quand tu penses comme je pense que c'est la Heineken qui est brassée au Canada aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas toutes les bières qui sont importées géographiquement, là. Fait que... Ben, je pense que ça fait du sens, là. Parce que si, mettons, on veut rentrer aux États-Unis avec le concept Buy America, si ça, ouais. Les relations commerciales, ben, il va falloir un jour la faire brasser là-bas, là. Mm-hmm. Ouais. Pas choix. Puis dans votre cas, où c'est un brasseur, tu pourrais juste leur donner la recette, puis que. Ça, ouais, puis ça qu'elles serait, font la recette. Là. Ça pourrait être ça. Mais ben, la vente, ouais. Là, c'est important de garder ça. Ça, c'est un de nos points. Dès le départ, parce qu'il y a comme un système de courtiers. Il y a des gens qui pourraient prendre, exemple, la bêta, puis l'amener dans les épiceries, ces choses-là. Nous autres, ben ça, c'est notre philosophie à nous. On a toujours dit l'approche client, faut que tu gardes ça proche. Il faut que tu sois capable de réagir rapidement. OK, il y a une plainte, tu règles tout de suite. Ben, tu peux pas faire ça avec un système des fois de sous-traitant. Là. Fait qu'on, nous, on a décidé de sous-traiter la bière, mais de garder la vente à l'interne. Fait que si on développerait le marché américain, ça serait des Québécois comme bilingues qui appelleraient pour le marché américain. Là. Okay. Okay. Puis la distribution, vous sous-traitez aussi? Oui. Ouais. Ça, c'est une belle entreprise. C'est Brouage qu'on utilise à Beaubriand. Ça fait quelques années, je pense, qu'ils sont en affaires, mais il y a beaucoup de bons points. Là, quand on regarde ça, de l'amener un peu partout au Québec, c'est de l'ouvrage. Là. C'est vous qui choisissez avec le distributeur. Bon, on va les mettre ici, dans telle ville, tel endroit. Non, lui, dans le fond, il ramasse le bill, puis il s'en va dans tel coin. Mais lui, il va planifier ses routes. Exemple, je m'en vais à Gatineau, mais je vais planifier tous les micros qui sont chez nous, puis je m'en vais à Gatineau pour tout le monde. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire une économie d'échelle. OK. Ah, c'est cool. Ouais, parce que vous devez tous pas mal vendre dans les mêmes points. C'est ça. C'est ça. Ah, exact. Cool. Ça doit quand même limiter le fait d'utiliser des sous-traitants pour la production, la quantité d'investissement initial que vous devez aller mettre. Mm-hmm. Dans le sens que j'ai vu un peu sur votre site là, où c'est brassé. Là. Mm-hmm. Écoute, c'est des cuves gigantesques. Là, ça doit. C'est immense. C'est pas donné. Non. Ben, c'est pour ça que nous. Si on avait parti un projet, j'avais fait faire des soumissions au début pour le partir de A à Z. Puis juste là, une petite cuve, là, on parlait d'à peu près, je pense que c'était 1000 litres. Un système automatisé 1000 litres. Puis là, t'as pas d'entrepôt, t'as rien, t'as pas de permis d'alcool encore, t'as rien. Là. Juste ça, c'était 125 000 à peu près. Wow. Okay. Un équipement chinois vendu par un détaillant québécois qui t'assurait un peu la qualité puis l'installation. 125 000, ça c'est comme en partant. Là, je me demande, tu sais, je fais des chiffres, mais on prend un local, amélioration locative, il y a sûrement un autre 50-100 000 là-dedans. Là. Mais l'expertise brassicole aussi, là. Attends, là, t'as pas ton employé encore, là. Ouais. Parce que ça, c'est un autre point que, tu sais, moi, je me dis tout le temps, parce que vous êtes pas impliqué dans la bière en tant que telle, tu sais, de faire la bière. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai, tu sais, comment on faisait, quand tu brasses à la maison, tu sais, c'est tout le temps le rêve un peu, hey, je pourrais faire ça. Tu sais, c'est un hobby, ça pourrait devenir ta job. Mais tu sais, c'est ça la question, je me demande, à un moment donné, ça devient que c'est ta job, fait que ça devient moins intéressant, tu tannes un peu de le faire. Toi, de ton côté, j'imagine, j'essaie de me dire, tu sais, moi, je dis, ah, tu prends une petite bière à la fin de la journée, ah non, je travaille, là. C'est ma job. J'ai des anecdotes pour ça, parce que quand je rencontre l'équipe là, de notre brasseur, là, je leur pose des questions, là, c'est du bon monde. Puis il y en a des fois qui font des cures, là, justement, tu sais, un mois pas d'alcool, là, parce que tu travailles là-dedans, t'en bois tout le temps, là, tu finis tout le temps par en boire, tu veux goûter à ta recette, tu sais, il y a un challenge là, de prendre une dégustation le matin à 8h, ça te tente peut-être pas, là. Mais c'est des anecdotes, exactement, t'es comme forcé de le faire, mais je m'en ai la question, y a-tu une partie de l'aventure, là, je sais que c'est assez récent, ça fait un an à peu près que vous êtes là-dedans, mais y a-tu des trucs que t'es comme, ok, ouais, c'est moins le fun que je pensais, ou tu sais, c'était pas... je me suis finalement, c'était pas le projet de rêve que j'avais en tête. Là, j'essaie de voir, y a-t-il une raison pourquoi que je devrais pas? Mais ben convainc-moi que c'est pas une bonne idée, tu sais. Ah, ben écoute, ben ça dépend, la question est large, là, mais mettons, on prend juste notre expérience à nous. Ouais. L'approvisionnement de canettes, on a trouvé ça difficile au début. Okay. Tu commences avec un fournisseur, ben t'es en avril, puis c'est 8 semaines de recevoir des canettes. OK.
OK, mais là, l'été, c'est 3 mois. Là. Ouais. Quand est-ce que je commande? Quand est-ce que je paye? Quand est-ce que je fais ma brasse? Ça a été difficile. Puis aussi, honnêtement, plusieurs SKU. Là, on en a rien que 4. Puis la IPA, elle s'en vient. Là, je vous compterai un petit peu en primeur. Mais là, on a 4 SKU. Mais là, ça veut dire que c'est 4 recettes, c'est 4 cuves. Ça veut dire que là, moi, j'ai des prix en économie d'échelle. Ouais. Si je ferais juste de la blanche, là, je pourrais acheter pas mal plus de blanche pour le même prix que si je fais 4 bières. Ouais. Fait que là, je suis obligé, nous autres, dans le fond, ça commence à 2500 litres. Fait que là, je commande des 2500 litres. Puis là, la dernière commande que j'ai faite, là, j'en ai acheté 4, ça a coûté 50 000. Ouais. OK, là, fait que l'approvisionnement est important aussi. Puis c'est ça, tu peux pas en faire une demain matin et dire, ah, je vais te faire une bière, elle va être prête dans 2-3 jours. Là. Non, non. Fait que comment tu fais pour le prévoir justement au début? Je me dis, la bière, ça se conserve quand même assez longtemps. Là. Ouais, ouais. Elle est pas obligée de partir dans la. C'est pas comme, c'est pas comme des fraises, là? Ou est-ce que, elle était toute vendue dans le basketball ou elle était toute vendue dans le peu de magasins qu'on avait parce que il me faisait des 500 litres au début. Pour tester la recette, savoir si ça fonctionnait. Ça donnait 42 caisses. Okay. Pas long, là, vendre 42 caisses. Ouais. Non, mais c'est ça, le challenge aussi, c'est de... T'en fais combien, puis t'en fais... T'sais, quand est-ce que tu recommandes l'autre batch? Là? Exact. On le suit assez vite, là, que ça prenait un stock. Okay. Si t'as pas le stock, ça marche pas. Là. T'es pas capable d'accepter un événement. Mm. T'es pas capable de faire ci. T'es pas... T'sais, je vous donne un exemple, mais on s'est fait proposer... Je sais pas, vous avez vu le Volaria, là, les avions là, qui sont en ce moment à Mirabel? Oui. T'es supposé être commanditaire de bière là-dedans. OK. On parlait de 60 000 personnes qui pourraient passer à ce festival-là. C'est comme... C'est ça peut être 300 caisses, 400 caisses de bière. Fait qu'on voulait l'accepter. On hésitait parce que là, t'as plus d'inventaire. Pas mieux non plus. Fait que c'est un challenge, C'est un challenge. Ouais. Mais ça prend... Je pense qu'en juillet, là, on a vu là, que si j'ai pas mes 4 SKU dans un certain stock, c'est difficile. Là, parce que tu peux pas revirer. Là, c'est supposé prendre un mois brassé, OK? Ouais. Mais là, on avait des délais de canette. Fait que des fois, j'avais de la bière dans une cuve, pas de canette. Mm. Puis des fois, j'ai des canettes. Puis là, la bière elle est pas prête. Est-ce que c'est le même sous-traitant qui va embouteiller ou est-ce que c'est... La canetteuse, ouais. Il y en a une. Il y a une grosse canetteuse, lui, à l'interne. Là, fait que... Mais les canettes arrivent avec votre logo, votre étiquette dessus. Oui, exact. C'est pour ça qu'ils attendent. Ben, puis les autres, le challenge est du même côté pour eux. T'sais, comme ils ont une cuve qui fait rien. Là. Ben oui. Fait que ça, j'imagine, est-ce qu'il y a des frais associés à ça ou est-ce que c'est... Moi, je paye à la livraison. À la livraison, OK. C'est l'entente qu'on a eue, mais tu sais. Fait que c'est un bon système quand même pour toi, là, tu sais. Des deux côtés, c'est ça. Il y a des deux côtés. Des fois, moi, c'est tough parce qu'il faut que je paye d'avance. Ouais. Mais de l'autre côté, si la bière n'est pas livrée, ben, je paye pas. Donc, là, lui, ça fait peut-être un mois qu'il travaille là-dessus, là. Ouais. Il a acheté les ingrédients, si ça. Fait que je pense que c'est un équilibre là, intéressant pour que ça fonctionne. Puis le prix, est-ce que le prix que tu payes par bière, est-ce que ça change par type de bière? Parce que les ingrédients... Curieusement, non. Non? OK. Non. Ça qui me dit, des fois, une bière ou un autre, c'est un sac de... C'est un sac de ci, un sac de ça, puis... Sur le volume, ça fait pas tant de différence. Non. Pas sur 2500 litres, ça fait pas de différence pour l'instant. Ouais. On verra si ça bouge. Comme là, je pourrais vous parler un petit peu de la IPA que je voulais faire. Ouais. Là, tu vois, on a tant qu'en faire une, nous, on n'est pas des grands buveurs d'IPA. Dans les quatre actionnaires. Bon. Ouais. Fait qu'on a, on, naturellement, on n'est pas parti vers ça. Puis on pense que c'est un trend. Hein. C'est un, excuse-moi, avec l'anglicisme, c'est une mode. Ouais. Ouais. Okay. Là, c'est la mode à part, puis tu avais investi temps et argent, puis tout ça. Puis, parce que là, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, je pense qu'on avait à peu près le même âge, c'était plus la rousse, hein, souvent, qui était à mode. Puis là, la IPA est arrivée par la suite. Fait que là, la rousse est perdue dans les limbes. Mais il y a des consommateurs de rousse, c'est pour ça qu'on a fait une. Puis fait que là, on avait craintif un petit peu de ça, mais évidemment, il faut en faire une parce que là, c'est la mode, il faut en faire une. Fait que là, on a dit, on va la faire 100% Québec. OK. Fait que on va prendre le malt puis le houblon québécois. Ça va faire en sorte qu'elle va se distinguer. Mais souvent, les amateurs d'IPA vont chercher des types de IPA très précis. Ouais, ben, tu n'auras pas chez nous parce que c'est au Québec. Fait que souvent, les houblons populaires sont brevetés par des Américains. OK. Fait que, mettons, Mosaïque, Citrus, c'est des houblons connus. Ben, ils sont plus chers que le houblon québécois à cause de la popularité. Oh, fait que tu vois, sur le houblon, on devrait économiser,
Mais là, ce que je me suis fait dire, c'est que le malt québécois est plus cher que le malt des prairies. Fait que beaucoup de nos bières sont faites avec du malt des prairies. Mmh. Fait qu'ils sont plus compétitifs, ils ont des grandes terres. Puis là, fait que de le faire avec un malt québécois, ça va peut-être changer le prix. Là. J'attends d'avoir une soumission officielle. Okay. Ah, cool, cool. Ouais. Mais non, parce que, tu sais, des fois, en faisant certaines bières, tu sais, tu regardes la recette, là, puis la quantité de grains que tu dois acheter, puis en plus petite quantité, j'imagine que, tu sais, là, d'acheter comme une poche, à un moment donné, toute la malt, il coûte la même chose. Fait que c'est de la quantité, mais tu sais, des fois, il y en a que ça coûte pas mal plus cher à faire que d'autres. Puis lui, vu qu'il achète pour lui aussi, ça l'aide. Ouais. C'est des prix de volume. Ouais, fait que lui, il va chercher des prix de volume. Parce que lui, il a d'autres brasseries, j'imagine. Il a sa propre brasserie, lui. OK, lui, il a sa propre brasserie, puis vous. Ouais, c'est ça. Dans le fond, lui, lui, il est propriétaire de toute la bière Simple Malt. OK. René Huard à Saint-Eustache. On travaille avec René depuis le début. Puis lui, il a sa propre marque. Je pense qu'il y a 12 ou 13 SKU. De Simple Malt. Ouais, j'ai déjà écouté. C'est intéressant. Mm. Puis quel est. Ça a l'air de bien aller. Là, tu as parlé des défis d'approvisionnement puis de garder de l'inventaire, mais sinon, c'est quoi tes défis qui s'en viennent? C'est quoi le comment? Qu'est-ce qui te bloque à ton succès mondial là, d'aller. Je te dirais, là, le défi, ça va être de faire sortir la bière des magasins. Que je pense que c'est le défi de tout le monde, là, mais ça, c'est un des premiers défis parce que c'est quand même une relation de partenariat avec les détaillants. Fait que là, si ta bière ne sort pas, ben ils t'enlèvent. Fait que faut s'assurer que même si là, tu vois, je pense qu'on est rendu à 60-65 points de vente, faut s'assurer que ces 65-là, ils vendent. Sinon, ça donne quoi de d'avoir 200 puis ils vendent pas. On veut pas domper de la bière là, chez quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça un petit peu dans mon ancienne vie. Là. Tu dompes une palette pour faire tes chiffres de mois. Là. Ouais. Puis là, ils sont pognés avec. Ça va mourir là. Ouais. Est-ce que vous vendez juste en canette individuelle ou il y a des caisses aussi? Canette pour l'instant. Juste canette individuelle. Ouais. OK. Ouais, ça serait éventuellement peut-être le 4-pack. C'est ça. Un genre pack de dégustation. Exact. Puis là, il y avait la mode des petits plastiques. Puis là, ça s'en va. Ça n'existera plus, là, les cups. Ouais. Là. Ouais. Fait que là, ça va être de trouver peut-être un 4-pack en carton recyclable. Ouais. Qu'on va pouvoir packager nous-mêmes. Là. OK, cool. Cool, cool. Puis, par rapport à ça, tu parlais la clé du succès, c'est les magasins, mais c'est quoi le pourcentage de consommation de bière au Québec qui est à la vente au détail versus consommation au restaurant, bar? Aucune idée. La différence, là? Ouais. Aucune idée. Pour vous, ça représente quoi à peu près? Dans le fond, j'ai un restaurant. OK, j'ai un restaurant, puis dans les hôtels. Ça s'en vient. On vient. Ouais. OK. Ouais. Good. C'est un travail, là. C'est un travail à la chaîne, là. Mais non, pour l'instant, nous, c'est le détail. Le but d'aller avec les hôtels, c'est peut-être de préparer un marché, une exportation par après. Fait d'aller chercher des touristes un peu, puis de possible. L'expansion possible. Ouais. Événement corpo aussi. OK. T'sais, c'était capable de rentrer. Nous autres, on a eu un événement corpo dans le domaine de la construction. On a participé comme commanditaire. Là, c'était 200 paniers cadeaux, soirée au Ritz. T'sais, fait que là, tu associes ta marque au Ritz. Ça a super bien été. Les gens vraiment étaient agréablement surpris d'avoir un cadeau de bière. Là, ils n'en ont pas souvent. Fait que là, on travaille aussi avec la compagnie Cascade pour une petite boîte. Okay. On va avoir une boîte cadeau pour le corpo. Fait que là, tu vas ouvrir ta boîte puis il va y avoir les 4 SKU, peut-être un verre, peut-être pas, on est en train de regarder. Là. Okay. Fait que le corpo semble être intéressant. Cool. Ah. C'est un alignement intéressant, ouais. Ouais, c'est long un peu que peut-être qu'il est sous-exploité. Ah, cool, cool, cool. Puis par rapport à l'exportation, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je sais que même de province en province, est-ce que tu peux aller vendre directement en Ontario? Supposé être capable d'aller vendre directement. Là, c'est de voir, j'ai-tu une demande d'admission ou quelque chose. Ça semble être administratif. OK. Fait que, puis en Ontario, il y a un premier concept qui s'appelle les Beer Store. Ouais. Mm-hmm. Là, il va falloir que j'analyse, voir si c'est bon, LCBO, Beer Store. C'est l'équivalent de la SAQ de la bière. Là. Genre, exact. Puis, mais ce qu'on se fait dire, c'est qu'il n'y a pas de service. C'est un frigidaire. Tu rentres dans le frigidaire.
Mais là, okay. Quand on revient à notre point, il hey, faut que tu saches que tu vas acheter de la bêta. Là. Mm-hmm. Oh, oui, que, parce que là, tu compétitionnes directement. Exact. Avec, fait que là, j'en avais ciblé. Il y en a, ça a l'air qu'il y a comme une vingtaine de succursales avec humains, là, avec conseillers. Moi, ça m'intéresse okay. un peu plus d'aller vers ça. Puis j'aurais tendance à faire un test à Toronto. J'en ai vu comme 4-5, là. Toronto, Beer Store, ça pourrait être intéressant de voir commencer avec ça. Le point positif de ce réseau-là, c'est que comme tout le monde rentre, si j'ai compris. Ouais. Tu payes un frais, clac, tu rentres. Okay. C'est pas, fait qu'il n'y a pas un problème à l'entrée, c'est un problème de les consommateurs vont venir chercher ma bière. Fait qu'on a déjà des canettes en anglais, on a tout. Okay. On est prêts, ouais. La canette, ouais, exactement, toute la traduire. Puis la IPA, elle a des petites fleurs de lys, on va sûrement l'enlever. Pour aller en Ontario. Ah ouais. Ah, vous êtes vendu. Ouais. Okay, c'est super intéressant. Puis écoute, c'est tellement un univers que tu te dis, ça serait le fun. Puis là, tu dis, parler avec quelqu'un qui l'a fait pour de vrai, je trouve ça super, super intéressant. Non, mais c'est aussi intéressant pour d'autres industries à démontrer comme de sous-traiter, ouais. ça l'aide des fois ouais. à pouvoir aller de l'avant. Plus rapidement, ouais. ouais. Ben oui. Ouais, parce que si moi je commence à vendre faire, si tu essaies de tout faire en même temps, mais ouais. des portions qui vont prendre plus de temps. Ouais. Moi j'avais une anecdote par rapport à ça, c'est super intéressant. J'avais les savons, là, la marque c'est du Canu là, qui est du Lechev. Tu vas dans ton supermarché, là, ouais, les ouais. Canu, tu as des savons, ben, eux autres sont à Ville-Saint-Laurent, puis c'est une usine sous-traitée qui font okay. tous les savons. Okay. Qui s'occupe juste la distribution. Fait que je les avais rencontrés à la chambre de commerce de Saint-Laurent, puis ça existe, là. Ouais, non, c'est ça. Il y a plein de produits. Une grappe industrielle ouais. qui est prête à... Vous avez un projet, ben viens porter ton projet, puis je vais te faire une soumission en bonne et due forme, puis ça peut t'aider, là. Ouais. Ça te permet d'avoir quelque chose de qualité. D'un coup sec. Ouais, exactement, sans devoir le développer, puis de ton 10 000 heures, là, pour devenir un... Ouais, puis investir dans l'équipement pour produire ouais. la production. Ouais. Puis quand il y a un problème de production, c'est pas ton problème. Là, tu te fais pas réveiller en plein milieu de la nuit parce que la cuve a coulé. Ouais, ouais. exact. Ah, c'est super intéressant. Puis de voir aussi votre. Tu peux voir aussi l'approche du fait que votre background vient ouais. du marketing, puis de la finance, de comment est-ce que vous y êtes mm-hmm. arrivé. C'est pas des projets. Avec que tu pars avec les lunettes roses puis que tu décroches pas, là, il y a quand même une bonne structure. Fait que non, super intéressant. Fait que je te remercie, Jean-Philippe, de t'avoir prêté au jeu pour le podcast. Si les gens, peut-être te dire aux gens où ils peuvent aller chercher la bière, c'est quoi la meilleure façon de vous encourager s'ils veulent aller goûter à vos produits? Ben là, pour l'instant, le meilleur partenariat qu'on a, c'est vraiment avec les petites frettes. T'en as parlé ouais. tantôt. Écoute, quand on les a rencontrés, il y en avait une trentaine, je pense qu'on est rendu à 60. Fait qu'il y en a, j'en ai à Rimouski, j'en ai à Hull, j'en ai à Mont-Laurier, puis j'en ai à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'en ai à Montréal. Fait que là, il y a quand même, là, on touche à toutes les provinces, toutes les régions du Québec. Puis là, de plus en plus, tranquillement, pas vite, là, on est IGA. Fait que là, on travaille à l'IGA, on est grande région de Montréal. On essaie de rentrer aussi, ça arrive sud, dans l'IGA. Fait que, mais souvent, on est sûr que les petites frettes vont l'avoir parce que c'est comme ça qu'on travaille avec eux autres, ouais. Cool. Ben écoute, merci beaucoup, puis bon succès, puis ouais. on va définitivement. On en prend une à la tienne. Ouais, on en parle. On en parle depuis presque une heure là, puis écoute, ça donne soif. Ça donne très soif là. C'est dommage qu'on est en début d'après-midi là. On aurait dû faire le podcast un peu plus tard en soirée. Je l'ai ramené, on va su. Ouais. Fait que bon, ben super, merci beaucoup pour ton temps, Jean-Philippe. Merci.